Et voilà, on obtient la même chose avec cette méthode-là. Et d'une manière générale, ce 0,8 peut être remplacé par A. Bienvenue dans la chaîne El Kader. El Kader, c'est mon nom. Je suis professeur de sciences économiques et je partage des notions en finance, en économie, en gestion, en droit. J'essaie à travers ma chaîne de simplifier au maximum ces notions pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Parmi les présentations que vous allez voir en macroéconomie, vous avez cette présentation entre deux courbes. La première, c'est AS et la deuxième, AD. AS, c'est l'offre globale et AD, c'est la demande globale. Y, ça représente le revenu national ou bien le PIB, le produit intérieur brut. Et le P, ça représente le niveau général des prix. Et donc, à l'intersection de ces deux courbes, on a un point d'équilibre représenté par une certaine production Y étoile et un niveau de prix général P étoile. Et le but de cette analyse, c'est de voir de quelle manière on peut produire davantage, on peut avoir plus de production et donc avoir une croissance économique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ce produit intérieur brut, on devrait avoir un autre produit intérieur brut plus loin et donc avoir une courbe éloignée de cette manière. C'est-à-dire une autre demande globale plus importante que la précédente. Il faut comprendre que dans l'analyse macroéconomique, on distingue entre deux périodes principales. Vous avez la période de sous-emploi, c'est toute cette partie-là où notre prix ne bouge pas en fait. C'est-à-dire que même si j'ai une demande globale plus éloignée, plus grande, j'aurai presque le même prix ici, le même niveau général de prix. Et cette analyse est une analyse de court terme. Et puis, il y a une autre analyse de long terme qui vise le plan emploi. Le plan emploi, c'est la production maximum, en fait, dans une économie, en utilisant les capacités maximales de production, c'est-à-dire le maximum de capital et le maximum de travail. Dans une analyse de courte période, en fait, le stock de capital est fixe. On a deux facteurs de production, le capital et le travail. Dans l'analyse de court terme d'une économie en sous-emploi, on suppose que le capital est fixe. Ce qui change, c'est uniquement le facteur travail. Et toute la question dans cette analyse, c'est de comprendre de quelle manière, en fait, cette demande globale peut s'éloigner dans ce sens-là, pour avoir plus de production nationale et donc plus de croissance économique. Et pour croître la demande globale dans une économie, il faut croître en fait la demande des agents économiques, c'est-à-dire la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses publiques, les exportations moins les importations. Et pour Keynes, on peut avoir un effet multiplicateur, c'est-à-dire que si j'augmente l'investissement d'une unité, la production nationale ou bien le produit intérieur brut va augmenter de 5 fois plus. C'est-à-dire que le revenu des ménages globalement va croître de 5 fois plus que la croissance de l'investissement. Je vais vous présenter cette analyse et de quelle manière on peut penser que la croissance de l'investissement d'une unité peut faire croître les revenus des ménages de 5 fois plus. Cela reste valable à condition que les ménages consomment 80% de leurs revenus. Je vais vous présenter cette analyse. Pour Keynes, la consommation est une fonction du revenu. En fait, l'expression de la consommation peut s'écrire de la manière suivante. C est égal à fois Y plus B. C, c'est la consommation. Petit a, c'est la propension à consommer. Y, c'est le revenu national ou bien le revenu des ménages. Et B, c'est la consommation autonome. En fait, ici, on explique d'où vient la consommation des ménages. Comment les ménages arrivent à payer leur consommation. Et c'est tout à fait logique. En fait, ça vient d'une partie de leur revenu. Et cette partie, on l'appelle propension à consommer. En fait, c'est un pourcentage où vient une petite partie de Y. Et cette petite partie peut s'exprimer en pourcentage ou bien par l'unité. Si par exemple les ménages utilisent 80% de leurs revenus pour consommer, eh bien petit a est égal à 80%. Ou bien on peut écrire également 0,8. Et B, c'est la consommation autonome, c'est-à-dire que les ménages peuvent financer une partie de leur consommation par autre chose que le revenu. Par exemple, la richesse ou bien le patrimoine déjà existant chez les ménages.
Alors, si vous avez compris ça, on va avancer un peu dans l'analyse. La deuxième formule qu'il faut comprendre, c'est que le revenu en fait des ménages est décomposé en deux choses, la consommation et l'épargne. Là, on parle de revenus disponibles. Si vous avez par exemple un revenu de 100 euros, et on va supposer que globalement les ménages consomment jusqu'à 80% de leurs revenus. Donc dans ce cas, la consommation est de 80 et ce qui reste est épargné, c'est-à-dire 20. Et d'une manière générale, si vous avez par exemple un revenu de n'importe quelle somme, 100% de ce revenu en fait est consacré de deux manières. 80% est consommé et 20% est épargné. Alors ce petit état que vous avez ici n'est rien d'autre que ce 80%. Et 80% on peut l'écrire également 0,8 et 20% 0,2. Cela veut dire que pour chaque euro de revenu, 80 cents est dépensé dans la consommation et 20 cents est épargné. Alors mon 0,8 c'est notre A et 0,2 on peut l'exprimer 1 moins A. Alors ce 0,8 c'est la même chose que ici, c'est la propension à consommer et 1 moins A c'est un pourcentage également, ça s'appelle propension à épargner. Je vais mettre A sur le C et 1 moins A sur le S et on va garder cette formule pour l'utiliser plus tard. Le raisonnement de Keynes est le suivant. Vous augmentez par exemple l'investissement dans un pays. Cet investissement, en fait, ça va constituer pour quelqu'un d'autre un revenu. Et ce revenu, en fait, va être décomposé en deux choses. Vous avez une partie va être consommée et une autre partie va être épargné. On va mettre des chiffres sur cette situation. On va dire que vous avez un investissement de 100. Supposons que cet investissement, c'est l'achat d'une machine, par exemple. Alors, celui qui va vendre cette machine va recevoir ses 100 comme revenu. On va mettre ici 100 de revenu pour quelqu'un d'autre. Alors, si on suppose que 80% de ce revenu va être consommé et 20% épargné, on va mettre ici 80% de consommation et 20% en épargne. Et l'effet multiplicateur de Keynes, en fait, ça va se générer de la manière à ce que ce processus continue dans la société. Par exemple, cette consommation de 80%, ça constitue un revenu pour quelqu'un d'autre. Et donc, ce quelqu'un d'autre va faire le même processus, va consommer 80% et épargner 20%. Et ainsi de suite, et ce processus, en fait, mathématiquement parlant, va générer 5 fois plus de revenus au total. C'est-à-dire que 100 euros d'investissement va provoquer, en fait, ou bien va faire croître les revenus des ménages 5 fois plus, c'est-à-dire 500 de revenus. Après, les chiffres peuvent être en milliers, en millions, en milliards. Alors, je vais vous expliquer ça d'une manière mathématique. Je vais partir de cette situation. Quelqu'un reçoit un revenu de 100. 80% de ce revenu est consommé et 20% est épargné. Et puis ce processus va continuer. Ce 80 de consommation va constituer pour quelqu'un d'autre un revenu. Y égale 80. Et puisqu'on suppose que 80% du revenu est consommé, on va avoir ici une consommation de 80 fois 80%. Ou bien 0,8 fois 80. Ce qui fait 64. Et ce qui reste jusqu'à 80 est épargné. Donc ça fait 16 est épargné. Ce 64 de consommation va constituer pour quelqu'un d'autre un revenu. Et ce revenu de 64, 80% va être consacré à la consommation. 0,8 fois 64 va être consommé. Ce qui fait 51,2. Et le reste va être épargné, c'est-à-dire 12,8. Alors, je vais vous montrer d'une manière mathématique combien ça va donner au total de revenus. En partant d'un revenu de 100, on va voir combien de revenus ça va générer dans la société si on continue ce processus. La somme de tous les revenus qui vont être générés est égale à 100 de départ plus 80 plus 64 et ça continue. Est égale 100 plus, alors le 80, comment on a obtenu le 80? Le 80, c'est simplement 0,8 fois 100. Et si on a donc 0,8 fois 100. Et 64, comment on a obtenu ce 64? C'est simplement le 80 fois 80% également. C'est-à-dire tout ça fois 80%.
Donc ça fait 0,8 fois 0,8 fois 100. Ou bien on peut écrire 0,8 au carré fois 100. Et vous imaginez la suite, donc ça va faire 0, si on continue, 0,8 au cube fois 100 plus, et on continue comme ça. Si on met en facteur 100, on va avoir une fois plus 0,8 plus 0,8 au carré plus, et on continue jusqu'à l'infini. Je vais mettre un peu d'espace, je remonte un peu ça. Et si vous remarquez bien, là on est en présence d'une suite géométrique de raison 0,8. Et mathématiquement parlant, cela est égal à 1 sur 1 moins 0,8. Et ce 100, en fait, c'est l'investissement de départ, on peut le remplacer par I en général. Vous avez donc I fois 1 sur 1 moins 0,8. Donc d'une manière générale, la somme des revenus obtenus à la suite d'une augmentation de l'investissement de 100, ça représente 1 sur 1 moins 0,8 fois l'investissement de départ. Donc là, c'est la formule générale qui justifie l'effet multiplicateur keynésien. Le 0,8, c'est la propension à consommer. Le 1 moins 0,8, ça représente la propension à épargner. Et si on calcule combien ça donne tout ça, on va avoir 5. Cela signifie que si j'augmente en fait mon investissement d'une unité, le revenu en fait va s'augmenter de 1 fois 5. Ça fait 5. Et c'est bien ce qu'on appelle effet multiplicateur. Et toute cette partie-là, 1 sur 1 moins 0,8, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien. Et donc, vous voyez que si on veut avoir un effet multiplicateur, il faut que la plus grande partie du revenu des ménages soit consommée. Plus cette propension à consommer, ce petit a, est proche de 1, plus le multiplicateur est grand. Et à l'inverse, si cette propension à consommer est proche de 0, à ce moment-là, ce multiplicateur ne fonctionnerait pas. On peut obtenir aussi cette formule du multiplicateur d'une autre manière. Pour Keynes, à l'équilibre, l'investissement est égal à l'épargne. Or, si on a 20% du revenu est épargné, 20% ou bien 0,2 de Y est épargné, donc on a cette formule-là. On remplace 0,2 Y ici, on va avoir I est égal à 0,2 Y. Et donc, Y est égal à 1 sur 0,2 I. 0,2, on peut l'écrire 1 moins 0,8. Et voilà, on obtient la même chose avec cette méthode-là. Et d'une manière générale, ce 0,8 peut être remplacé par A, la propension à consommer. Ça peut être 0,7, 0,5, etc. Mais il faut savoir que plus le A s'approche de 1, plus le multiplicateur est grand.